comment ça marche son truc C'est quoi ça? Je pense qu'il faut appuyer là. Ça continue de filmer. Aujourd'hui, on va vous présenter notre métier. Qui est chauffeur. Ah oui, d'accord. Tu veux pas être sur un bonjour à tous? Non, bonjour tout le monde. Ouais, j'aime bien bonjour tout le monde. Pareil. Bonjour tout le monde, moi c'est Brandon. Et moi c'est Guillaume. Bienvenue chez New Lock. Aujourd'hui, on va vous présenter notre métier. Salut les gars. Oh, salut Jerry. Tiens, ton petit jouet. Ah, merci. C'est on n'est bon. Pas 19h. Non, plutôt 7h30. Ah bon, merde, je suis en retard alors, non? Un petit peu. Et les clients commencent à appeler, là. Il va falloir qu'on y aille. Bon, en tout cas, je suis ravi de découvrir votre job. C'est camionneur, c'est ça, non? Chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur. Plus précis. Ok. Des gros bras, tatouage, Marseille, voilà. C'est ça, non? T'as Le pack de bière dans le, c'est dans ça, le camion? Non, ah, non, c'est fini ce temps-là. Pas du tout. Ouais. Non. Ok. Justement, on va te montrer ce que vraiment notre métier. Bon, bah on y va alors. On vous emmène. C'est parti. Tout droit, Guillaume, tout droit. Merci, Jerry. Je suis bien garé. Maintenant, on remet ça à la chaîne. Et le tender. Donc toi, tu as toutes tes habilitations, c'est ça? C'est ça. KSS10. Voilà, les autorisations de conduite, okay. Les différents KSS pour les différents engins. Pour travailler en toute sécurité. Voilà, tout à fait. Une chaîne, le tender. Et après, tu attrapes ta chaîne au plus près. Combien de fois par jour tu fais ça? À peu près, ça dépend des journées, mais à peu près 10-15 fois. Ok. Et ça tend là? J'ai l'impression que ça bouge pas. Parce qu'on a attrapé peut-être un peu loin, mais ça va y aller. Continue, tendu. Là c'est bon? Encore un peu. T'as pas tout mis dans les bras là? Ouais. Doucement. Allez, c'est bon, de toute façon on va en mettre deux autres devant. Alors Guillaume, en moyenne, combien de kilomètres tu fais par jour? Ça varie autour des 250-300 km. Dans un cadre de travail sympa, quoi. On n'est pas trop malheureux. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job? Ce qui me plaît, c'est le côté contact humain, que ce soit avec les collègues ou avec les clients, et puis le fait de bouger tout le temps. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette entreprise? C'est une entreprise dynamique. On a quand même, je pense, la chance de travailler avec des bons outils de travail. Ouais, on voit la mer là-bas. Ouais. T'as Croisic, Batte-sur-Mer, les marais salants sont juste là. Là. Et Guérande est sur la hauteur derrière nous, c'est ça. Et t'as quoi comme formation du coup? Moi j'ai un BEP, un bac pro vente. En vente, ouais, donc plutôt commercial alors. Bah faut savoir que un chauffeur c'est un peu un commercial quand même, faut pas l'oublier. On est en contact direct avec le client, privilégié, faut savoir remonter les informations. Faut savoir répondre aux questions aussi quand ils nous les posent. Donc okay. Voilà, ouais, on a un petit côté commercial aussi dans l'entreprise en tant que chauffeur. Contact clientèle. Voilà, c'est ça. Et tu travailles de nuit? Alors moi non, je fais 7h30 midi, 13h30, 17h. Par contre j'ai des collègues, oui, ils travaillent de nuit sur certaines agences. On fait bien attention à son entourage. Ok. Son environnement. Bon, combien de livraisons comme ça tu fais par jour? Oh, une grosse douzaine. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job? Le travail d'équipe. Bah t'es tout seul là? Ouais. Mais si les autres pôles si j'étais pas associé avec le comptoir, les commerciaux, mon chef d'agence, mon atelier, ça marcherait pas. Ok. Après, ce que j'aime aussi, c'est l'autonomie dans mon camion, je suis tout seul et je gère. Comme on dit. Et là t'es sur quelle appli, quel jeu maintenant? Notre application professionnelle. Ah ok. Ouais, on est passé tout au numérique. Ça te sert à quoi? Bah c'est en fait tout mon planning de la journée qui est dessus, qui est retransmis. J'ai mon client, les numéros de téléphone, les adresses de livraison et la machine que j'ai libre. Voilà. Et après, on fait des petites photos sur le chantier. Ah bon? Ouais. Pour ça, pas de litige avec le client. Et qu'est-ce qui te plaît chez New Lock en particulier? Je sais pas, c'est une bonne boutique. Après, je fais partie d'un super groupe. Le groupe Dubreuil. En interne, c'est vraiment l'agence dans laquelle je travaille. C'est vraiment un travail d'équipe. Il y a une bonne ambiance. Il y a une ambiance qui est assez exceptionnelle. J'ai jamais connu ça d'autre part. Ah bon? C'est ouais, l'avantage de ce groupe, de cette société. C'est que tu peux monter, changer de métier, te faire former. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Bon, là, on est bien monté quand même. Voilà, je pense que je peux encore remettre un petit peu. Mais... sympa la vue. Et en plus, la plateforme, elle est magique. Waouh! Les marais salants de Guérande. Sympa ton cadre de travail. C'est sûr qu'il est pire. New Lock, avec un super look. Un peu les deux, chauffeur-livreur. Plutôt du lundi au vendredi. Plutôt braverie pour moi. Ouais, pour qui? Paddle. Moto. Bon, Jerry,
Merci à toi. Bah, merci à vous les gars, moi j'ai adoré cette journée. Merci d'être venu casser les clichés sur le métier de chauffeur-livreur. Ouais, j'ai une meilleure image maintenant. C'est bon. Et si vous voulez bien prendre sa place, n'hésitez pas, il y a de la place pour vous. Rejoignez-nous. On a des équipes sympas, le matériel est bien, c'est une bonne ambiance. On vous attend. Et un max de pouces bleus. Salut.